Bon, avant de commencer, petite dédicace à Skyweather. Ouais, un truc dans le genre, ou alors Skywager, ou Skyweather. Enfin, quelque chose comme ça, j'en sais rien, moi. En attendant, petite dédicace. Et aussi, petite dédicace à Shama Benhamel. Et donc, du coup, petite dédicace. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va simplement jouer à Clash Royale et on va essayer de se faire une bonne petite attaque de jour. Alors attends juste deux secondes, on va voir qui c'est un petit peu. Alors c'est, je crois que c'est Swilly qui est niveau 9 et ça fait plaisir pour une petite attaque du jour. Donc attaque du jour qui se passe à 6h30 du mat. Ouais, on fait comme on peut, on commente. Donc vous pensez bien quand même que ce n'est pas en direct. Pourquoi? Bah parce qu'Audacity a fait un petit peu de la... Voilà quoi, et donc du coup il a bugué, voilà, ça arrive des fois. Donc j'ai quelques attaques du jour qui sont pas forcément disponibles. Donc en fait celles de toute la journée quoi. Donc les trois attaques du jour d'aujourd'hui ne sont pas disponibles. Donc on va devoir commenter ces trois attaques, bien entendu. Parce que bah sinon c'est un peu bête de mettre des attaques sans parole. Bon, il y en a, ils aiment bien, mais moi personnellement j'aime bien aussi commenter, ça peut être marrant. Juste que je sais pas commenter, c'est le seul problème. Alors ce deck n'est pas moi, ce deck est à Sneakers TM. Donc c'est ça, un Sneakers TM. Ouais, c'est comme ça qu'on dit, je suppose. Voilà, donc c'est du genre pas mal. On va juste tenter d'agrandir la fenêtre. Donc voilà, ouais, vous voyez pas ce que je fais là, je suis sur mon logiciel de montage et je regarde un petit peu la vidéo en live. Alors on a du 4 barbares. Oh, dès le début on a eu chaud quand même, hein. Avec le bûcheron et le sorcier là, on a failli se faire défoncer, mais on a réussi à rattraper le tir. Donc là on a les barbares qui cassent un peu les steaks, mais ça va, c'est pas dégueu, on arrive à défendre avec seulement deux archers, c'est fort. Et on a du géant royal aussi, qui nous casse les bonbons, bien comme il faut. Et bien entendu, sur tout ça, monsieur nous dit bien joué, alors qu'on s'est presque fait détruire la tour. Franchement, super sympa à lui. Comme quoi, il se croit plus fort que tout le monde. Ça m'énerve. Non, je déconne, bien entendu. C'est juste pour commenter. Bah, comme on peut, tout simplement. Alors, il y a moyen de... Ouais, ok. Donc là, des gens, il envoie du... comment il s'appelle déjà, du... Attends, je vais te le dire. Attends. Du mineur, voilà, le mineur, hein, absolument horrible sur certaines situations, mais là, le mineur, complètement pourri, franchement, il l'a envoyé comme ça, tu sais même pas pourquoi. Alors là, j'avais pas fait exprès. Alors là, j'ai touché la tour avec la bûche, mais j'avais pas fait exprès, ok. Alors venez pas me dire, oh, t'as touché la tour avec la bûche, j'avais pas fait exprès. Sur le moment, j'ai fait, non, mais je suis désolé, j'ai pas fait exprès, machin, ça arrive, quoi, qu'est-ce que je te lise. Eh, n'empêche, là, on a défendu bien comme il faut avec le sorcier et comment ça s'appelle déjà, le géant royal, voilà. On a quand même bien défendu. On a essayé d'attaquer tout à l'heure, d'envoyer un max. Voilà, donc là je fais attention, voilà, je recule bien. Hop là, la bûche, comme ça elle touche pas la tour. Voilà, là je fais attention, hein, pas comme tout à l'heure. Mais bon, comme d'hab, ça ne passe pas, hein, par un petit coup par le cochon. C'est pas fameux. Mais bon, c'est mieux que rien, qu'est-ce que je vous dise, hein. Là on est en train de se faire défoncer, ça c'est vrai. Alors, on va tenter de mettre quand même un maximum de chance de nos côtés en défendant un max, et pourquoi pas essayer d'attaquer au dernier moment. Seulement, ça va pas être possible, hein. Bah non, alors, on fait encore une fois attention avec la bûche, hein, histoire de pas toucher la tour. Et oh, on a rattrapé quand même. Ah, je pensais que ça allait pas passer, moi. Et comme quoi, des fois, hein. Bon, je sais pas si on va avoir du mal à défendre ou pas avec le géant royal, là. Je pense que ça va être impossible. Mais bon, on sait jamais, des fois. J'aurais dû garder le PK en mini PK en défense, peut-être. Ça aurait été peut-être un petit peu plus intelligent. Bon, après, hein, chacun son style. Quoique là, quand même, ça défend déjà plutôt pas mal. Monsieur va mettre son sort de zap, bien entendu, pour l'armée de squelettes, voilà. Là, bien sûr, le bûcheron qui va faire du taf, voilà. Tout le bordel qui, voilà, qui va faire très mal. Ouais, donc si tu pouvais détruire quand même le sorcier de glace avant d'être débile. Voilà, c'est bien. Comme quoi, je suis très très lent dans mes gameplays, hein, ça c'est clair, hein. Et en plus en commentation, c'est pareil. Alors juste comme ça, hein, si ça vous dérange un petit peu, j'ai le nez qui commence un petit peu à me... Voilà. Et oh, oh, même pas réussi à toucher ma tour, enfin finir ma tour. Bon, il finit malheureusement avec le géant royal, mais on s'était quand même bien défendu. Alors comme je vous disais, j'ai le nez qui commence un petit peu à me... Tu vois, qui me prend un peu. Et aussi, j'ai le... Comment dire, j'ai le nez et j'ai aussi autre chose. Ah oui, la bouche, enfin la gorge qui me prend aussi un peu. Donc du coup, c'est un peu... Donc si la commentation est pas non plus... comment on dit déjà, le commentary, voilà, est pas au max de sa forme, et ben c'est normal, voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est jouer aussi sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis à ciao, et puis n'oubliez pas, moi c'était cool.